Centaur sur E4. Salut tout le monde. Voilà. Ok, donc, on prend notre petite partie avec ma politique d'expansion en Inde. Là, comme je dis avec Serikai, prendre ce petit bout de territoire, la Baganali, politique ce connard de Transoxiane vient me squatter chez nous, à savoir chez l'Ouzbek. Et Rennes m'a mis en rival, comment dire. Elle va tabasser une sous-victime. Oh, c'est beau, le Transoxiane, il va se défoncer les rebelles parce qu'il siège la province sans siéger la province de Baganeli. C'est concrètement, il va défoncer les rebelles qui pourraient éventuellement nous emmerder sur la saisie de leur territoire. Mais en contrepartie, il fait que je vais couper son territoire en deux, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas s'étendre vers le nord. Le Transoxiane pourra prendre, bon, il pourra prendre quand même quelques provinces. Mongolie occupe Agan. Mongolie occupe Panganali. Au Haut-Karabakh, on va massacrer son armée. Il va où lui? Bon, il va se prendre la capitale. Moi, je vais me taper les derniers, les 3000 rebelles. Va y retourner chez lui. On va le sacoper à domicile. C'est un carnage. Hop. Ma femme s'appelle Halima Akolou. Je me demande de quel pays elle vient. J'ai pas la moindre idée. Je ne vois pas d'où elle peut venir, honnêtement. C'est drôle, mais. Le pays qui a cassé les pieds, Ardabil, là, il a fait ouais, je fais une coalition contre toi. Ok, bah, c'est le Russe par Timouride. T'es sûr que c'est moi la grosse menace? Diplomatic action cost, moins 25%. Ben voilà, land attrition, moins 20%. Voilà. J'ai dû me casser les pieds. Allez, on va piller les territoires un petit coup maintenant qu'on a. Un site. Oh, Kipchak, 14%. Putain, mais j'ai allé avec France et Castille, je casse les pieds. Sérieusement. En toute honnêteté. Voilà, allez, pillons, pillons. Bon, moi je pille. Ok, ça vient. Ah oui, je suis revenu en sang de. C'est vrai que la Horde d'Unity, en fait, avec du recul, en fait, c'est vrai qu'il faut jouer hyper offensive. Hyper offensive plutôt, pas hyper offensive. Faut jouer hyper offensive pour. Avec les Hordes. Voilà, c'est défoncé. Voilà, bon. Ah ouais, il paye quand même sacrément vite les bestiaux. Hein. Putain, t'arrives sur une province, les hordes, c'est. Et voilà, il n'y a plus un. Ouais, tu m'étonnes, 3,1 par mois pour une armée. D'accord. Je suis boîte matinale, j'ai mal, ils se disent les mecs. Avec l'Ouzbék terminé, d'accord. Voyons, réprimande le chef, non.
Qui ici on va les réprimander parce que des rebelles, comment dire, dans mes territoires la con là. Ah, il a dû prendre la province, ouais. Bon, bah maintenant on va attendre. T'as fini ta trousse avec qui toi, tu disais? Avec l'Ouzbek. Bon, pour l'instant j'ai pas de frontière commune avec lui. Ah ouais. Faudrait vraiment que je puisse bouffer du moscovite pour être plus tranquille. Ah, voilà. Bon, le Transoxian a fait la paix avec l'autre Pécor. Bon, on va pouvoir annexer un pays de plus. Enfin, je regarde aussi pour ce que je dois te laisser sur le notre Pécor. Donc là, il a fini ici. Donc on va aller piller ça là-bas. Oh, le pauvre pays. Putain, le pauvre. Un conseil, avant de lui déclarer la guerre, attends un petit peu quand même. Parce que là, son territoire est complètement pillé, complètement ravagé, dévasté. J'ai pas de frontière avec lui, donc c'est mort pour le moment. Boss. Vaut mieux parce que là, c'est si tu regardes, le... je sais pas si tu peux voir le. Oh, si je le vois. Pas l'endettement, mais. Le... Ouais. Tu vois là. Ah oui, tu peux voir les. Ouais. J'ai vision dessus. Le Yeren, il fait que de m'insulter, le mec. L'autre, il est fou, quoi. Il a des couilles qui lui sont poussées en nu. Et par contre, faut qu'on regarde ce qu'on disait, cette histoire de pays. Donc. Non, c'est pas ici. On va aller au tout platine, ouais, c'est une bonne nouvelle. Restore the Mongol Empire. C'est ça, je crois que je fais. Non. C'est Gretuan que tu cherches, toi. Oui, Gretuan, voilà. Ouais, Gretuan, ouais, ouais, ok. Quand je vois qu'il faut aller chez le chinois, je me dis, ça pue. J'ai rien à prendre chez l'Ouzbek. Prends-moi l'essai de Balcha si tu veux. Je me rappelle plus qu'on avait dit qu'il fallait que je te laisse comme province. Il fallait pas que tu touches à Kipchak ni à sa capitale là. Shimugitura. Ouais. Kipchak. Ah ouais. Et Kipchak c'est où ça? Ah ouais, Kipchak. Ok, ouais, c'est les estates. Ouais. Et Kipchak. Ouais, ok, je vois. Je peux prendre Aksari par exemple. Bon, de toute façon, si t'en as besoin, je te les. Aksari, ça. Ouais, la Sibérie occidentale, ouais, tu peux. Je crois que je peux prendre tout ça. Allez. Voilà, on va prendre tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à piller encore? Ah, il y a un peu d'argent là-bas. Allons piller. Oh, le pauvre. Pillon, pillon. Oh, 22. Encore 22 mois pour pouvoir faire la paix avec ce guignol. Parce que, oh non, tu occupes mon territoire. Ok. Chagatai, j'ai une trousse jusqu'à quoi? Ah, ah, maintenant, oui, c'est vrai que je suis un tribut de Ming. Avec. L'attaque en 1400. Ouf, plus le temps encore. Le siège de Shimugitura. Ok, donc l'Ouzbek. Alors, j'annonce, l'Ouzbek, il a pris cher. Ouais. Parfait. Je crois ce qu'il reste. Et maintenant, on va cramer le pied, cramer le pied, cramer le pied. Le classique, quoi. Ouzbek n'est plus un rival valide. Étonnant, ça. Je ne comprends pas. Transoxiana. Ah bah, Transoxiana, par exemple. De toute façon, il ne m'aime pas, je l'aime pas. Ok, maintenant, on va se pencher sur... Altaïurian Kaz. Moi, putain.
Allez, Narim, on va... On peut pas piller. Pourquoi on peut pas piller? Parce que c'est pourri. Putain, mais paye tes provinces de daube. On va attendre alors. Almaty. Ouais. Ok, truc à Corée. Ouais, bon, je me calme un petit peu, moi, quand même, là, pour mon extension. Il faut forcément que je bouffe des billes là le plus possible. Heureusement qu'il y a autre, qu'il y a notre rousse. Ah, des billes gilants, faut que je me les fasse dès que je peux. Un diplomate. On veille sur un embargo. Voilà, ok. Bon, 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 la DAC. Le principe, c'est Ardabil et Gilan. Comme ça, je me les gobe. Shigatse. Voilà, moi je cors, je cors. Il me reste plus que deux provinces. Ensuite, ah oui, non. Ah oui, c'est Gorka que je voulais défoncer. Gorka Kali avec qui? Avec Garwal et Dang. C'est bon, ça c'est deux petits pays à la con. Tsang est en guerre contre Gorka. Je viens de trousser avec lui jusqu'à quand? Assam-Mongolie. Ah, c'est moi ça. La DAC, il est à moi. Oui, je me rappelle. Ensuite, donc, on va rapatrier les troupes. Une armée là. Une armée là. Voilà, on est plutôt pas mal. Le sauce Giline. Ça. C'est bien que cette guerre-là qui dure, j'ai rien à faire. Parce qu'en fait, j'attends juste que l'autre se dise oh, c'est bon, je veux casser la guerre pour le virer, sans lui devoir le taper dessus. Et hop, dire hop, à la. Au Gazikumuk, hop, c'est bon, je t'annexe. Le Yeren qui m'a mis en rival, le mec il met. Hey Yeren, t'es Yeren, toi, oublie pas. Allié avec la Corée, bon, t'es allié avec la Corée, c'est tout ce qui t'aide. C'est ça. La Corée. Mec. Le Ming qui m'aime pas trop. Moi je suis allié avec qui? Je crois que je suis allié avec le Bengale. C'est vrai que tu regardes, il est beau mon pays. Bon, ok. C'est un peu comme d'hab, des frontières dégueulasses. Non, ça va, le problème, c'est que t'as le Ming. Le Ming, il me coupe en deux. Mais là, c'est vrai que le Ming, si j'arrête d'être son tribu, le mec, il va pleurer sa mère, quoi. Ah oui. Je me tâte de refuser de payer juste pour. Quoique, non, 40. Oh, 49.
Et c'est à combien qu'il peut faire une réforme? À 50? Je crois que c'est à partir de... C'est pas à 80? C'est fait par 60 de mandat? Je sais pas trop. Parce que si je refusais là, il perdrait son mandat et ça descendrait, ça descendrait, ça Ouais. descendrait. Mais c'est quoi, Je pense que je vais je refuser. conseille, c'est d'attendre qu'il fasse sa réforme. Quand c'est fait passer sa réforme, il tombe à 20 de mandat, et là tu refuses. Ouais. Et à 20 de mandat, il va continuer à s'écrouler. Ouais, t'as raison. On va pas prendre le risque. Je sais que mes 22 000 hommes, il va faire deux jours, je t'éclaire. En plus, autant la Russie, on a fait notre putain de frontière là-haut dans notre partie où bah, on se protège, on est tranquille. Autant là, s'il est pas content, le vaisseau il vient quoi. C'est ça. Putain, des séparatistes de Sibir Putain, qui ont popé chez les l'Ouzbék. Sibériens, oh putain le pauvre. Et le problème, c'est que ouais, ils ont des corps chez moi, donc cette bande de connards, ils vont venir. Ah bah oui, c'est les Sibériens. La Corée. C'est qui ça? C'est les Kazakhs. Ici, les Sibériens. Je regardais ta partie à toi, ça dit quoi? T'es en guerre pour changer, là? Ouais. Attends, ça pleut peut-être sur la charité quand je dis ça. Ah ouais, allié avec l'Ottoman, Akyunu et Mongolie. Bon, ça va, tranquille, tes alliés, toi. Bah tiens, la province s'est bien remise. Je vais la relooter. Ouais, c'est le Transoxiana qu'il faudra aller se faire. Ouais, le problème c'est qu'il y a pas mal de gens sur ton emmerdeur. Ouais, mais non, on a dit que l'objectif c'est d'aller se faire la Moscovie. Ouais. Et là, la Moscovie est en guerre contre qui? Merde, il est en guerre contre Novgorod, j'ai Ouais, l'impression. bah il restait rien de toute façon. Ah, il est dans la coalition contre C'est pour toi ça que je peux pas y aussi. aller encore. Ça aurait été plaisir sinon, hein. Mais l'Ottoman après tout. Ouais, moi je peux pas lui déclarer la Ouais, c'est guerre. l'Ottoman en trou, je suis qu'à 39, je comprends pas pourquoi. J'ai filé la Bessarabie à ce con. Ah voilà, moi je pense que je vais mettre sur la gueule de Gorka. Gorka, on disait, est allié avec Garwal et Dang. J'adore ça, la Moldavie. Indépendance garantie par la Pologne, influencée par Moscou. Si déjà pouvait rajouter la politesse de se mettre sur la tronche, ce serait appréciable. J'ai quoi comme sujet, moi? J'ai de la DAC. Ouais, mais non, je vais pas y aller avec une seule armée. Je vais attendre de gérer ces putains de Sibir là-haut. Irène, je comprends pas. Il m'en rival, il m'enlève, il m'en rival. C'est quand même la troisième fois qu'il me déclare en tant que rival, hein, ce connard. Je sais pas quoi faire. Le mec, C'est il a Irène. peur de rien faire. Vas-y, je suis un ouf. Bon, l'autre là-bas, il finit avec ses putains de rebelles ou quoi? Non. Oh, le pauvre Ouzbek. Mazandaran va finir par m'apprécier comme vassal. Ce sera bien. Il ne reste plus qu'à 52 du Battle Desire. Dvers est tombé à 97. Ouais. Sauf le fait que j'ai imposé la religion, il ne va pas apprécier. Le Ming, il a pas de rivaux, quoi. J'ai un peu. Oh putain! Oh, désolé, j'améliorerai un peu mes relations avec toi. Ah, il a deux régiments de mercenaires de Sibir qui ont popé, quoi. Oh, il casse les pieds là, elle cheat. Faites suer les cheats, hein. En même temps, on va pas se mentir, vous faites cheat depuis que vous existez, hein. On a ouais, on va se corriger, ça c'est une bonne nouvelle. Avec les expansions, ouais. Bon bah c'est bien, encore. Ah. Ça fait que le révoltrisque, les rebelles factions, c'est qui les séparatistes de Kazakh. Nadim, Arigim, ouais, toute la clique. Et voilà, 20% de voix exhaustion, c'est-à-dire 100% de score de guerre pour moi, c'est-à-dire que malgré ton pote qui te dit non, je ne vais pas capituler, tu vas être annexé intégralement,
Un moment, tout tombé. Et voilà, ah, pouf. Et le tingling de fin d'épisode, t'as annexé qui? Kizukimuk. Bien. Principe, ouais, si on peut. Ouais, c'est pas mal parce que tu commences à t'implanter en Perse. C'est ça. Prochaine fois, c'est Ardabil et Gilan. Attends juste que Ardabil dise c'est bon, j'arrête. Je monte mes relations avec lui pour calmer. Indépendance garantie par Karakunlu, Ardabil. Oh putain. Ouais, je sais plus où est. Qu'est-ce qu'il fait, le Kara? Ouais, mais bon, tu te retrouves en guerre contre Karakunlu, je pense que Karakunlu, il va dire pop, pop, ça tombe bien, j'y vais. Bah ouais, ce que je vais faire au pire. Ah, j'ai dit, regarde la province d'Arbil, tu vois Ishne Kaifa. À droite, en bas à droite, t'as Mossoul, et juste à droite, t'as ouais, je vois, Arbil. Ouais. Là, j'ai eu peur. J'ai dit, c'est quoi ce pays qui a des corps? Il y a Karakunlu, et je dis, mais c'est quoi ça? C'est Ulm? C'est Ferrara? Non, c'est une autre province, un autre pays à la con. C'est ça. C'est Soran. Bon. C'est quoi ça, l'Irak? Ouais, Karakunlu, il a... Ouais, il a... Donc voilà, bon, ça fait tingling de fin d'épisode, hein, donc on va pas tergiverser pendant 30 ans. On va s'arrêter là, les gens. On vous dit donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir, les gens.